Pour la première fois depuis l'annonce de sa nomination, le futur préfet de Corse, Jérôme Filippini, a pris la parole au sujet de l'île. Pour l'heure, toujours préfet de la Réunion, le représentant de l'État dressait son bilan auprès de la presse locale aujourd'hui. À cette occasion, il a été questionné au sujet des discussions entre l'État et les élus corses. Les engagements pris par le président de la République et renouvelés par le gouvernement, hein, Madame Vautrin a eu l'occasion de le dire encore, est très clair. C'est une marche vers une autonomie renforcée pour la Corse dans le cadre de la République, dans les lois de la République. Et moi, je vais m'inscrire évidemment dans ce cadre-là sans aucune difficulté. Descendant de Corse ayant quitté l'île, Jérôme Filippini se rapproche donc de ses racines. Passé par les services des ministères de l'Intérieur et de la Justice entre 2001 et 2007, le Normalien a également œuvré à la Cour des comptes et exercé au sein du secrétariat général du gouvernement au début des années 2010. Réputé consensuel et modéré, le nouveau préfet arrive sur une île où les enjeux politiques sont nombreux. Mais pour l'heure, l'ancien préfet du Lot et de l'Eure ne veut pas aller trop vite en besogne. Alors pour l'instant, je me concentre sur ma responsabilité comme préfet de La Réunion. Je commence à préparer, notamment avec mon prédécesseur, et puis je vais avoir des contacts avec les élus, effectivement. Pour l'instant, je suis encore à 200% préfet de La Réunion, jusqu'au dernier jour. Pas encore de contact avec les élus, mais des dossiers importants à gérer rapidement dès son arrivée en Corse, comme la dotation de continuité territoriale. Si les réponses de Catherine Vautrin paraissent rassurantes, le sujet n'est pas encore clos. La ministre du Partenariat avec les territoires devrait d'ailleurs rencontrer les parlementaires insulaires demain. En tout cas, avec cette prise de parole, Jérôme Filippini reste sur la même dynamique que lors de son passage à La Réunion. Sera-t-il un facilitateur dans les discussions entre l'État et les élus corses? Les prochains mois apporteront leur lot de réponses. Jérôme Filippini prendra ses fonctions dans l'île le 28 octobre prochain.